Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous. Comme toutes les semaines, on va faire un petit peu le point sur mes lectures. Alors, belle grosse semaine, puisque j'ai quand même pas mal lu, même si les livres étaient pas super conséquents. Voilà, j'ai pas sorti des bricounettes de 600 pages. Mais en même temps, c'était que des choses qui faisaient envie. Et voilà, en plus, la semaine s'est super bien passée, puisque ça a été que de bonnes découvertes, voire de très bonnes découvertes pour certains. Donc vite fait, je vous parle de ma lecture de la semaine dernière qui était en cours mais qui arrivait à sa fin puisqu'il devait me rester, il me semble, une cinquantaine de pages. J'étais donc dans le tome 1 d'Enfermité de Brody Ashton. C'est chez Milan dans leur collection Macadam et je vous disais que ça passait super bien. Voilà, il était dans ma poche depuis X temps, je ne sortais pas. Pas qu'il faisait pas envie, mais voilà, toujours pareil, trop de trucs à sortir donc forcément on n'arrive plus à faire le tri. Et donc à 50 pages de la fin, j'appréhendais un petit peu le final, comme souvent, parce que voilà, on a toujours peur qu'on nous fasse un petit peu un énorme cliffhanger, histoire de maintenir notre intérêt pour la série avant la sortie du tome 2. Bon, un très très beau final, voilà. Je l'ai senti venir, donc j'ai pas été prise de court non plus, mais en même temps ça m'a pas gênée, voilà. C'est aussi, je pense, le bon final qu'il fallait pour vraiment être au taquet de la sortie du tome 2, d'ailleurs, quand il me semble que c'est au mois de juin qu'il sort. Donc ce qui est sûr, c'est que le jour même, ou le lendemain, ou très très vite, il rejoindra ma page, le voir, je pense que je l'entamerai sur le moment même, parce que voilà, j'ai vraiment envie de découvrir la suite de cette série. Voilà, en plus, l'écriture est super agréable, les personnages, j'ai trouvé ils étaient tous très différents, mais ils trouvent chacun leur place dans cette histoire. Voilà, rien à redire à part que j'ai vraiment passé un très bon moment et que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je pense que je vais me faire... J'ai vu qu'il y avait une petite nouvelle qui s'intercalait entre les deux tomes, justement, un point de vue comme ça se fait très souvent maintenant. Donc, le point de vue de Cole. Donc, je pense que je vais me le faire le mois prochain, histoire de patienter un peu, tout en restant dans l'ambiance. Je pense que ça serait pas mal. Ensuite, ma deuxième lecture en cours de la semaine dernière était donc le tome 1 de la série « Oseras-tu ?» La première fois de Sarah de Marie Gray, donc chez Pocket Jeunesse. J'en étais au tiers. Je vous disais que ça me plaisait beaucoup. Voilà, j'ai un livre qui parle des réalités d'ado, donc là, de la première fois de Sarah, qui pour elle n'est pas vraiment prête à passer à l'acte, mais en même temps, son nouveau petit ami, lui met quand même une certaine pression, voilà, donc tout l'enjeu finalement du livre, c'est de la suivre un peu, de voir ce qu'elle vit, de suivre un petit peu ses réflexions, de voir si elle va passer à l'acte ou pas, mais c'est pas l'intérêt du livre, c'est vraiment de voir l'évolution du personnage et son état d'esprit, tout ça. J'ai adoré. Voilà, c'est vraiment un livre sur lequel je me serais pas retournée, je pense, à la base, et pourtant, il vaut vraiment le coup. D'ailleurs, je vais continuer la série parce que j'ai vraiment hâte de découvrir les autres tomes, de voir ce que ça donne et tout. Super bien écrit. Je m'attendais pas à ça parce que c'est vrai qu'à la base, il est catalogué jeunesse, même si c'est bien précisé à partir de 14 ans. Et je crois bien que la version originale qui doit être canadienne, ça doit même être précisé 14-18 ans, et c'est totalement le cas parce qu'on est vraiment dans un récit où j'ai envie de dire presque on nous épargne rien. Voilà, on vit vraiment tout avec Sarah, et c'est vrai qu'il y a dans les romans jeunesse normalement il y a certains moments où c'est censuré, enfin pas censuré mais au moins coupé. Voilà, surtout pour des histoires comme ça. Et là, c'est pas le cas. Donc, c'est vraiment... Il y a certaines scènes qui sont même choquantes. Voilà, plus pour le fait que, justement, je ne m'attendais pas forcément à ça. J'ai été prise un petit peu au dépourvu par un moment du récit. Voilà, parce que je pensais pas que l'auteur irait jusque-là. C'est vrai qu'elle suit son truc jusqu'au bout. Elle nous épargne rien, finalement. Voilà, et... J'ai pas trop envie de vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler sur ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une super lecture, en plus ça se lit super vite, ça fait quoi, 200 pages, et ça fait vraiment se poser des questions. Maintenant, bon, j'ai plus 15 ans comme à Sarah, mais c'est vrai que ça met face aussi à des réalités. Alors il y a les bons côtés de la chose, et à côté de ça, elle nous fait, voilà, c'est...
C'est pas un livre qui prend le parti d'une chose ou d'une autre, elle nous met pas en garde, mais elle nous présente les choses, voilà, comme pouvant être très positives, comme très négatives. Donc voilà, moi j'ai adoré, c'est vrai que ça s'est lu très très vite tout seul et le style de l'auteur j'ai beaucoup aimé. Donc une très très bonne découverte. Ensuite, je me suis fait une petite lecture Kobo avec le tome 2,5 de la trilogie des Revenants. Die for Her, donc d'Amy Plum. Voilà, en attendant le tome 3 qui doit sortir en juin, il me semble aussi, mais c'est peut-être bien le même mois qu'Enfermité. On va donner des soins macadam au mois de juin. Donc je l'attendais parce que voilà, j'adore cette série et en plus le fait de me retrouver voilà avec là le point de vue de Jules donc concernant les événements importants du tome 1 et du tome 2, c'est vraiment quelque chose qui me bottait. Bon, je pensais que par contre on aurait un petit peu plus aussi des autres personnages, voilà, c'est un petit peu le cas mais pas tant que ça. Donc finalement on reste vraiment sur Jules. Ben moi j'ai adoré, voilà, c'est en même temps c'est pas que j'étais pas partielle, mais enfin bon, voilà. J'adore ce personnage et c'est vrai qu'en apprendre plus sur lui, le découvrir plus. Déjà, je partais très confiante, mais c'est toujours aussi bien écrit. C'est du bonus, ça n'apporte. Une fois qu'on a lu les deux premiers tomes, ça n'apporte pas vraiment grand-chose en plus, voilà. Surtout qu'on nous parle des relations entre d'autres personnages. Voilà, c'est quelque chose qui a été établi dans le tome 2 qu'on ne savait pas avant. Donc là-dessus, ça apporte pas grand-chose, mais ça a été super agréable à lire. Voilà, elle fait 80 pages la nouvelle, donc en plus il y a vraiment un certain nombre de scènes. Voilà, super apprécié, passé un super moment. Et maintenant, par contre, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir très très vite le tome 3, parce que voilà, ça m'a rappelé que la fin du tome 2, elle était juste horrible. Mais j'ai été forte parce que le premier chapitre du tome 3 était à la fin et je l'ai pas lu. Parce que je sais qu'après, je suis navrée en général. Sur le moment, je suis super contente, mais après, de ne pas avoir la suite sous la main, je suis super navrée. Donc, j'ai préféré ne pas la lire. Et ma dernière lecture de la semaine, depuis le temps que je voulais la sortir, ça y est, je l'ai fait vendredi soir, très tard, sur les coups de 10h, 10h30, j'ai sorti Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruth Acepetis, donc chez Gallimard dans leur collection Scripto. J'avais très envie de le lire parce qu'il est très très bien noté. Il a été sur Livre Addict dans le top 10 pendant quasiment toute l'année dernière, je crois bien. Les avis que j'en avais vu passer étaient quand même très 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 positifs. Maintenant, le résumé m'attirait, mais c'est vrai que c'est un genre de résumé où j'avais peur de ne pas accrocher. Dans le sens où ça peut être touchant, ça peut être bien écrit, mais des fois, on veut aimer une histoire. Le sujet nous parle. Voilà, c'est quelque chose d'important, c'est pas une histoire toute bateau. Mais on a peur justement de ne pas être réceptif. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je l'avais pas encore entamé. Bon, finalement entamé vendredi soir et puis fini samedi soir. Voilà, alors qu'il fait plus de 400 pages. Donc je n'ai pas pu le lâcher. Voilà, je comprends la super notation. C'est un énorme coup de cœur. Voilà, donc on va suivre en gros pour l'histoire. Je vous la remets vite fait. Lina, donc qui est lituanienne, qui a sa petite vie avec sa famille tout tranquille. Bon, ils sont quand même aisés, voilà, ce sont des gens cultivés, et qui va se retrouver en fait déportée du jour au lendemain donc vers la Sibérie, et donc on va suivre en fait tout ce voyage, ses rencontres, ce qu'elle va vivre, et c'est juste voilà. C'est juste à lire. C'est limite une lecture qui devrait être obligatoire. Voilà, moi je sais que j'ai eu des profs en plus d'histoire qui. On le sentait bien, ils n'étaient pas passionnés par ce qu'ils racontaient, donc ils m'ont jamais passionné l'histoire, ça n'a jamais été mon truc, parce que justement, on me donnait pas envie. Eh ben, je trouve que voilà, c'est vraiment un livre qui devrait presque être obligatoire de lire, parce que c'est juste super bien écrit en plus, et voilà, c'est. Moi, j'ai été quand même un petit peu oppressée pendant la lecture, parce que c'est. Voilà, on le lâche pas, mais en même temps. C'est super dur de voir ce que justement les horreurs qu'il y a pu y avoir. Et voilà, je pensais pleurer,
Finalement, je suis arrivée un petit peu sur la fin, je me suis dit non, finalement, tu vas être toute bouleversée, tu auras eu la boule tout du long et tu vas pas pleurer, louper. Les derniers chapitres, alors là, j'ai fini en larmes avec 36 mouchoirs, voilà, c'était trop d'émotions. Rendu à la fin, c'était trop et voilà. Donc, je recommande vraiment parce que, voilà, c'est juste un livre à avoir absolument lu. Donc, voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours, il y en a deux. Donc, je suis en train de lire en... Oui, on va dire en lecture principale, parce que j'ai dû le commencer la semaine dernière, sauf qu'à chaque fois il était en lecture secondaire, et puis que ben, finalement j'avais pas avancé, je crois bien qu'en 4 jours j'avais dû lire 30 pages. Donc, le reste était tellement bien à côté que finalement celui-là restait en attente. Donc je suis en train de lire le tome 1 de la série Ennemi, donc de Charlie Hickson, c'est chez Pocket Jeunesse. Voilà, histoire de... Deux zombies, mais en même temps, côté jeunesse, j'ai l'impression un petit peu de retrouver les mêmes bases que la série Gone, voilà. Là, on se retrouve justement dans un monde où tous les plus de 14 ans donc sont ou décédés ou alors transformés en zombies. Et donc, ben, tous les jeunes se retrouvent à devoir se protéger, se réorganiser une vie, voilà, sans les adultes, en essayant de leur échapper, voilà. Donc, sur les bases, on est un petit peu pareil. Eh ben, j'ai envie de dire que ce début de lecture, j'en suis à peu près, oui, au tiers, il me semble. C'est pas facile de savoir maintenant que le livre est en panne en ce moment. C'est vrai, il me donnait des statistiques claires, une Goodreads, c'est pas forcément le cas, voilà. Ça passe bien. C'est pas mal du tout. Maintenant, j'attends de voir ce que ça donne. Je me mets petit à petit dans l'histoire. C'est pas désagréable du tout à lire. Maintenant, je suis pas non plus hyper emballée. Faut voir ce que donne la fin du livre, mais en tout cas, ça reste très agréable à lire. Donc, je vous en reparle la semaine prochaine. Et ma deuxième lecture en cours, j'avais envie de douceur, de petit cœur, de bons sentiments. J'ai donc sorti L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith. Donc, c'est dans la collection Bloom de chez Hachette. Voilà, celui-là, je l'attendais beaucoup. Il est juste sorti. J'avais lu justement l'année dernière son premier livre, donc La probabilité statistique de l'amour au premier regard. J'avais énormément aimé. Voilà, c'est pas de l'histoire sensationnelle, inédite, mais en même temps, c'est des bons sentiments, c'est des amourettes, c'est les petits papillons dans le vent, c'est les petits cœurs qui volent, voilà, ben, ça passe très bien à côté de lectures un peu plus lourdes ou quand on a juste envie de sourire à une belle histoire. Et donc j'en suis rendue à une cinquantaine de pages et puis ben, franchement ça se lit tout seul. Donc sur l'histoire de base, on a donc toute Ellie qui vit dans une petite ville toute paumée du Maine et Graham qui lui par contre... Et bon, tous les deux adolescents, qui lui est un acteur super reconnu, voilà. Il n'a pas vraiment cherché plus que ça, je pense, mais enfin finalement il s'est retrouvé acteur avec du succès, donc voilà. Et suite à un email dont le destinataire a fini par être Ellie finalement, alors que c'était pas elle qui était censée recevoir l'email, mais ils se sont lancés dans une petite correspondance, alors sans que chacun ne révèle à l'autre qui il était ou quoi que ce soit. Et voilà, un petit peu dans le style d'un quand souffle le vent du nord. On commence là-dessus, mais c'est vrai qu'on a que le début où il y a les échanges d'emails. Après, ça devient vraiment un... Voilà, on a un récit écrit. Il n'y a plus tant d'emails que ça. Ben, ça passe bien. Voilà, c'est vrai que pour l'instant, j'en suis qu'au début. J'ai lu les deux, trois premiers chapitres, mais... C'est super agréable, c'est mignon, c'est plein de promesses. Voilà, on sent que ça va être un petit peu compliqué, mais il y a de fortes chances quand même que ça finisse super bien. Voilà, c'est un petit peu du récit sans surprise, mais c'est pas pour autant que c'est plus désagréable à lire. Hein. Mes lectures à venir, j'en ai sorti qu'une parce que normalement celle-là, c'est sûr, je me la fais cette semaine. Le souci, c'est qu'en fait, j'ai plein d'autres choses qui me tentent. J'ai au moins 5, 6 livres qui me tentent. Il y en a un autre que j'aimerais bien recevoir dans la semaine. Je sais que s'il arrive, je me jetterai dessus. Donc voilà. Je préfère sortir juste celui que je suis sûre de sortir et voir sur le moment ce qui me fait envie sinon. Donc je sortirai cette semaine puisqu'on se le fait en lecture commune avec les filles. Le tome 4 de Démonica. Donc Extase révélée de Larissa Yohn chez Milady, voilà la seule petite sortie Milady pour laquelle j'ai craqué ce mois-ci,
Mais voilà, elle était quand même attendue depuis super longtemps, donc j'ai vraiment hâte de voir si ce quatrième tome reste aussi agréable à lire que l'ont été le tome 2 et le tome 3 qui étaient quand même vachement réussis. Donc voilà pour mes lectures de la semaine. Je vais pas continuer à blablater plus que ça. Je sais pas, peut-être le IMM vendredi, peut-être la semaine d'après, je vais voir comment ça se boutique. Et puis comme j'en parlais ce matin, j'ai envie de faire peut-être un petit concours aussi sur le blog, histoire de faire gagner un livre ou deux, voilà, parce que ça fait toujours du bien au moral, et puis que moi ça m'a redonné le baume au cœur la semaine dernière, donc j'ai envie de faire gagner aussi un ou deux petits livres, je sais pas trop quoi encore. Je vais repenser à tout ça, et de toute façon, comme d'habitude, j'en reparle, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, voilà. J'arrête le blabla là et je vous dis de toute façon à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.